That's more like it. Now, how about one of those epic logos? That's the stuff. See, when two adversaries set aside their petty squabbles, they can... I'm calling my agent. Never mess with the animators. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmo33 pour le 66e épisode du Let's Play Fil Rouge de Ratchet & Clank l'intégrale. J'espère que vous allez bien, nous sommes en plein cœur de la semaine spéciale Ratchet & Clank. En effet, nous sommes le mercredi 21 décembre 2022. C'est officiellement l'hiver et donc officiellement aussi le solstice, enfin l'équinoxe plutôt. Non, le solstice d'hiver. Parce qu'il y a l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne, donc solstice d'été, solstice d'hiver, bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, je vous propose, pour être dans la même vibe que la fin de l'épisode précédent, de faire uniquement que des défis de Opération Destruction. Voilà. Parce que j'ai envie, j'adore ça, j'adore souffrir. Et c'est surtout parce que je rappelle que nous devons faire la planète Kerwan, Metropolis, mais que les ennemis sont devenus un peu trop pétés. Et donc par conséquent, il nous faut une armure. Et pour l'avoir, il faut 250k boulons. Donc autant dire que on n'est pas sorti de l'auberge. J'aimerais juste. Voilà, et maintenant. Alors oui, j'ai eu un commentaire il y a quelques jours me disant oui, mais pourquoi tu strife pas? Enfin, vous savez, l'esquive, hein, les pas de côté avec L2R2. C'est parce que j'ai jamais eu l'habitude d'y jouer avec ça. Parce que bon, je connais Ratchet & Clank que depuis depuis maintenant 19 ans. Donc, la première fois que j'ai touché un Ratchet, c'était sur PS2. En Noël 2003, ça va faire 19 ans dans quelques jours là. Et ouais, mais le problème c'est que en 2003, j'avais 7 ans, j'allais sur mes 8. Et donc voilà. Donc je joue au Ratchet & Clank depuis que j'ai 7 ans, mais voilà, du coup je suis pas habitué à utiliser les mécaniques, enfin certaines, en tout cas, dont le strife. L'esquive. Donc oui, je suis au courant que ça existe, mais je vais l'utiliser plutôt très rarement. Donc ce n'est pas contre vous, c'est pas que je joue mal. Enfin, si, du coup on pourrait considérer que je joue mal. Parce que j'esquive pas, mais... Mais c'est dans mes habitudes de jeu. Donc voilà, c'est maintenant clair. Pourquoi? Mais il me semble que j'avais déjà raconté cette histoire-là de pourquoi je n'utilise pas ça finalement. Le dernier ennemi. Voilà. Donc normalement là il ne nous reste plus que des combats d'arène à faire. Vu qu'on a fini les parcours du combattant. À la coupe. Ah, parce qu'on a le lamo disque. Alors le problème c'est que le lamo disque c'est plutôt nouveau. Mais ravi de constater qu'elle one shot. Mais par contre à mon avis. Ouh. Alors, regardez, je vais essayer de l'utiliser plus souvent. Voilà, mais effectivement. C'est pas dans mes habitudes. En plus, ça pourrit un doigt. Qu'il faut le laisser constamment appuyer. Je trouve que le lamo disque ne rebondit pas tant que ça. Il me reste 3 munitions, mais. C'est mort. Hein. Dommage. Eh, en vrai, c'est faisable. Il reste que lui. Donc, si j'avais pas gaspillé mes munitions à la con, ça serait passé. Avec une seule.
Oh là là, la doublette. Je pense que le défi peut être... Ok. Je ne regarde pas en bas. J'aimerais bien toucher. Merde. Le truc c'est que c'est pas censé être comme le crasher d'étoile de Ratchet et Clank 2. C'est pas censé rebondir ou je sais pas quoi. J'en ai eu deux en même temps, donc ça c'est plutôt bien. Et là normalement il y en a 4. Il y a que ces 4 là. Et win. Et win. Très bien. On est qu'à 57 000 boulons, hein, mais. Je crois. Hein. Détruis tes adversaires avec l'aide du fissurateur avant de succomber au brouillard ronflon baxien. Oui, je ne l'ai pas. Sans prendre un coup. Oh là. Attendez. Peut-être que. Avec ceci. Ce sera formidable. C'est une arme qui fait pas très mal, mais. C'est hallucinant! On va faire avec ça. Ah, il y a 8 manches! Ça va être long. Ça va être très très long. Hop 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 hop! Eh oui. C'est dommage. On aurait le telt, hein. Ça marcherait bien. Quelle est notre arme la plus puissante en vrai? La bombe, c'est pas mal, en effet. Enfin, monter ça. Avoir même ça, on a ça de. On peut le faire monter. Voilà. Je pense que ça peut être même plutôt efficace. Ah oui. Oh là là. Oh. Oh, ça fait plaisir ça. Oh, ça dégomme tout. C'est trop bien. Je garde cette arme jusqu'au bout. J'ai cru que je m'étais fait toucher avec le ventilo là. Manche 4. Pour l'instant, jusque là tout va bien. De toute façon, on se fait toucher, c'est fini. Je me concentre. Il en reste deux. Il manquerait plus qu'il y ait l'espèce de tourelle circulaire là. Sphérique. Oh, j'ai plus de mun. Oh non, c'est fort dommage. On était si bien. Je suis dégoûté. On recommence. Ah, j'en rêve la nuit. J'essaie de pas maintenir le clic trop longtemps parce que. Ça utilise pas mal de munitions quand même. Je les déteste. On recommence. On va essayer de. Pas trop. Retenter 12 fois. C'est bon, à force. C'est chiant. Autant faire un petit peu. De diversité. Il y a un petit con là. Moi, je peux frapper à la clé, ceci dit, histoire d'économiser de la mune. J'ai cru qu'il allait jamais mourir. Il est où? J'adore quand même la très longue portée de l'arme. Hein. C'est vraiment très jouissif.
Il a longuement hésité. Où sont les autres? Il reste que toi? Ah oui. Je regarde pas en bas, je le jure. Oh, dernière manche, allez. C'est pas le moment de tout foirer. Vas-y. Allez, les petits. Je crois que c'est gagné. GG. Bravo. On continue. Hein. Jumeaux. Pas les jumeaux sans prendre un seul coup. Alors déjà, on va les faire en mode legit. Avec quoi? Avec quoi on va les éclater? Ça, c'est vraiment chier. Non? Voilà, donc ils vont alterner de temps en temps, chacun avec ses spécificités. Merde, je me suis fait avoir. Alors que c'est très facilement esquivable. Allez. Ah, à madame. Eh, moi aussi j'ai fouet hein. Moi aussi je sais m'en servir. Pour l'instant tout va bien. Le truc sans prendre un dégât c'est mieux quand on aura le... Merde, le tilt. Ça avance très très peu. Comme vous pouvez le constater. Avec ça. Ah, c'est pas mal. Ah oui, le temps de réaction là était vraiment très très mauvais. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ah, en vrai. Tourelle. Ah. Dommage. Dommage. On va passer aux choses crasseuses avec un show. Amarado. Allez, à madame. À mon tour là. À toi. À lui. Ça va pas être fou hein. Attendez, parce qu'il faut que je surveille la OE. Qui a géré deux choses en même temps. Il est passé où? Ah. Ah, ça chie, ça chie. Vas-y, butez-les. Allez. Ils peuvent le faire. J'ai confiance en eux.
Bon, alors ils explosent à la moindre occasion, mais. Ah oui, ils sont morts plutôt. Connard. Connasse plutôt. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il peut arrêter de faire ça? Oh là là, oh là là. Ah, oh, j'ai pas sauté, connard. Elle allait mourir en plus. Je suis dégoûté. On va passer aux choses crasseuses avec un show. En vrai, cette arme est pas mal quand elle vise bien. Allez, on va les défoncer. Ah, il va prendre cher. Ah, moi aussi apparemment. Je suis pas le seul. Germain. Ah non, c'est Germaine maintenant. Putain, mais... Ah, oh, je me débrouille comme un caca. Like caca. Ah oui, il est vraiment très très mauvais. Hein. Eh ouais, elle m'a eu en plein vol, je m'en doutais. Bon, c'est pas grave, pour l'instant on va les passer. On va peut-être attendre un petit peu. Alors, sans prendre un coup, ça va être compliqué. Ça, on peut le faire. Ça, c'est un défi changeur. À mon signal, on change d'arme. Ça devrait le faire, ça. Alors, à son signal ou quand on n'a plus de munitions. Ça permet aussi de monter toutes les armes de manière plutôt équitable. Ici. Ah oui, ça par contre avec cette arme là, c'est compliqué. Ouais, mini tourelle, c'est bien. J'ai vraiment d'en balancer une dans le vide. Très bien. Allez, venez là si vous l'osez. Ma tourelle va vous réduire en miettes avant que vous arriviez. Allez, on vient tranquillement. On vient mourir. Là. Oui. Bravo. Vraiment avec ça. Ça va être un enfer. C'est tout vu. C'est assez bien par contre. Bah non, c'est bien. Je ne regarde pas en bas. On va prendre une raclée, on a perdu que 9 PV hein, pour l'instant. C'est pas vraiment ce que j'appellerais une raclée. Oh l'infecteur. Oh c'est vraiment une des pires armes. Ça par contre c'est bien. Allez, prends un deuxième. Il parle de mon arme, hein, bien sûr. Ne vous méprenez pas. Foudroyeur, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment une arme pourrie. Elle a du recul, d'accord, mais ça va pas plus loin que ça. Il mange combien? 10 sur 16, ça va.
Ça va. C'est bof tiers, mais d'accord. Ok. Ah, le retour de mon âme préférée. Qui va bientôt passer niveau 5 d'ailleurs. Je crois que niveau 5 c'est quand même pas mal. C'est où? Ah, bonjour. Ah, bonjour. Non mais c'est vraiment le larme de disque. Tu veux diser la clé, hein, c'est vraiment... Oh non. Tu t'es pote. Ah, c'est bien. On tourne, on tourne. La tournette, enfin Derville. Bravo, c'est gagné, c'est win. Ich liebe dich. Je crois que c'est pas comme ça qu'on dit qu'on a gagné. Bonne nuit. Bon, mais ça va le faire. Celui-ci s'appelle le manche du roupillon. J'espère que le lombard a du souffle. Le manche du roupillon. C'est ce qu'il a dit? J'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai adoré, hein. On va le faire avec cette arme là. Donc on perd de la vie de temps en temps. C'est quoi, un point de vie toutes les 3 secondes? Comme ça. Donc, on a quand même hein, les dégâts des ennemis bien sûr. Mais en même temps on a les dégâts du somnifère. Défi d'ailleurs que l'on retrouvera aussi dans Ratchet & Dator. Je vous préviens hein, déjà parce que bon, mine de rien, on est quand même au début encore de Ratchet & Clank 3. Enfin, pas en termes d'histoire. En termes d'histoire, on est à la moitié quoi. Ouais. Mais ouais, Ratchet & Dator, on va un peu galérer. Parce qu'il faudra jouer en difficulté maximale pour pouvoir tout débloquer. Et autant dire que j'ai pas très. j'ai pas très hâte. Parce que certes, Ratchet Gladiator, voilà, j'aime bien. Mais. D'habitude, si. J'y joue en mode 2 étoiles. Là, on va jouer en mode 5 étoiles. Donc... Autant dire que ça va être un peu. La galère. Bon, on va le faire. Ça va le faire, ça va l'effectuer. Pendant ce temps, nous sommes qu'à 90 000 boulons. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'on achètera l'armure. Mais je pense qu'on pourra retenter notre chance à Metropolis au prochain épisode quand même. Parce que bon, faudrait bien qu'on avance dans l'histoire. Et puis bon, c'est plus facile là-bas d'accumuler des boulons. Les ennemis en laissent plein plein que là, bon, ils sont vraiment radins. Il doit être un boulon par ennemi tué encore. C'est pour ça que ça avance pas beaucoup. Ah, j'ai vu la caisse KO. Vous l'avez vu aussi. Ah, on a ça du niveau 5. Bon, avant la fin du défi. Voilà. Une nitro flingue. Regardez comme c'est beau. Ça les congèle et ça les tue. C'est vraiment formidable. Vous voyez comme c'est efficace, c'est vraiment très beau comme arme. Et on a rien besoin de faire, hein. C'est juste on les touche, ils congèlent, et après ils meurent tout seuls comme des glands. Sauf s'ils résistent et prouvent qu'ils existent.
Dans ce cas-là, d'accord. Alors. Attends, là, pas. Le scorpion, en t'adaptant aux armes qui arrivent entre tes mains. Ça, ça peut le faire. Ah, c'est dur, hein. Merde. What the fuck? Oh putain, c'est incroyable avec les agents ravageurs là. Non, mais attendez, on va le refaire avec eux. Avec eux. Oh, c'était une tuerie. Ah ouais, c'est dingue, ils vont se suicider en fait. Ah, je m'en fous, je prends tous les dégâts possibles, mais Osef. Hein. J'ai tout pris dans la gueule, mais je m'en fous. Ah, on arrive bientôt à la fin. Gagne le combat à l'aide du fouet plasma. Non, mais faut qu'on fasse les jumeaux. Pas encore folle, hein, l'arme. On a fait une manche sur 6 et. Ils sont très résistants en vrai. Non, c'est toujours pas ouf, hein, le fruit plasma. Alors, autant au début je l'aimais bien, autant maintenant on a des meilleures armes. Et puis ils sont plus résistants que du bio-oblitérateur. Les robots. Non, à chier. Ah, on a plus de mine. C'est perdu. C'est dommage. Non, vraiment. Oh. Mais ça, faut réussir. Ça, faut réussir. On va envoyer nos sbiros là. Je me concentre. Ah non! Ah le con, se faire voir par les missiles, non mais c'est vraiment la pire des. La pire des bêtises. Avec ça, hein. Par contre, les tourelles pourraient le toucher. Qu'est-ce qu'on utilisait d'autre contre eux?
Ah oui, ça. Putain. Elle me touche de très loin. J'ai pas grand chose. Je vais sans doute me prendre. C'est horrible, hein. Ah, oh, c'est la muerte! Allez, t'as ça, hein, t'as ça. Non, je pense qu'on va attendre un petit peu. On va s'arrêter là pour cet épisode-là. On va tester Metropolis pour la prochaine fois. Je vous fais des bisous et je vous dis bien sûr à demain pour la suite. Ciao!